Hello et bienvenue sur la chaîne pour la première pile à lire de l'année 2023 avec ma pile à lire du mois de janvier. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour des nouvelles vidéos qui ne sont pas des Vlogmas aussi, qui sont des vidéos récurrentes sur ma chaîne. J'aime bien faire des piles à lire mensuelles, mais en fait j'aime bien faire des piles à lire globalement. Qui sont plus des pioches à lire d'ailleurs que des piles à lire, parce que globalement je lis pas tout ce que je mets dans ma pile à lire, c'est pas très grave. Là j'ai essayé pour l'année 2023, j'aimerais vous faire 12 à 15 livres. Donc je sais pas combien j'en ai mis là, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, j'en ai 13. Voilà, donc là c'est pas mal. Parmi ces livres, il y a, je vous fais le petit récap, vous vous souvenez, je vous ai dit, il va y avoir au moins un classique, deux sagas à continuer ou des nouvelles. Il va y avoir un peu de fantasy, il y a un peu de tout dedans. Il y a les 1 à 3 livres que je compte lire pour mon challenge de Tour du Monde en lecture. Ce mois-ci, on part en Europe du Nord. Et il y a aussi au moins une brique, c'est-à-dire au moins un livre de 500 pages. Et puis c'est tout, je crois. Oui. Oui, si aussi j'ai envie de mettre horreur, terreur, angoisse, thriller, tout ça. J'ai envie de mettre aussi deux livres dans ce genre-là. Donc ça tombe bien parce que là, je suis en plein dans le challenge de la crypte de Jodie. Des challenges de la crypte. Bien que je pense pas tout lire ce que j'ai prévu, comme d'habitude, parce que sinon, c'est pas rigolo. Mais je sais pas si j'arriverai à tout lire, parce que quand je regarde ce qui me reste, là, que je n'ai pas mis dans ma pile à lire, je me dis, par exemple, j'ai pas mis Démons et Merveilles de Lovecraft, qui est ici, qui est un recueil en fait de Lovecraft qui est très connu. Je ne l'ai pas mis. Bon, après, si j'ai le temps de le sortir, je le sortirai. Et je n'ai pas mis non plus Bird Box parce que en fait, je vais déjà lire un livre post-apo ou apocalyptique, je crois. Donc du coup, j'avais pas envie forcément de mettre deux livres un peu dans le même genre, dans la même pile à lire. Mais imaginons que j'ai envie de mettre cela à la place des autres, il n'y a aucun souci. Donc on y va, c'est parti. Alors j'ai pas mis de classement, on va juste terminer par le livre, vous savez, j'ai... Non, vous savez pas, je vous le redis, si vous savez pas, ben, vous allez l'apprendre. J'ai mis un livre en... J'ai empaqueté... Je vous montre. J'ai empaqueté 12 livres, là, en décembre, pour en ouvrir un par mois pendant toute l'année. Donc sur un petit cadeau, ma pile à lire. Et en fait, j'ai fait ça pour sortir des livres que je n'aurais pas forcément sorti en temps normal. Donc je ne sais pas lequel c'est. C'est le numéro 4. Et on va bien voir. En fait, là, j'ai pas fait de tirage au sort. J'ai pioché comme ça, parmi les livres. Et en fait, c'est plutôt bien de faire comme ça. Parce qu'en fait, le numéro, on s'en fiche un peu. Parce que je ne sais pas ce que c'est. Donc je vais le lire. On va regarder à la fin lequel c'est. Alors, on va commencer par... Ah oui, puis aussi, dans ces livres que je vous propose, il y en a forcément un qui est un livre de mes auteurs chouchou. Alors, on va commencer comme ça. Et ce mois-ci, ça sera Anna Gavalda avec Fendre l'armure chez la dilettante. Je ne sais pas de quoi il est question parce qu'il n'y a pas de résumé. Certainement une histoire d'amour. Et je suis très très impatiente d'aller la lire. Il est dans ma pile à lire qui est ici du Cold Winter Challenge. Avec un livre dont je ne connais pas le résumé. Et il est parfait. Donc il n'a pas une très très bonne note sur Livre Addict. Mais je ne suis pas toujours d'accord avec Livre Addict. Donc ce sera celui-ci. Sans m'en dire trop, si vous l'avez déjà lu, je veux bien avoir votre avis en commentaire. Ensuite, alors attendez. Je vais vous dire à chaque fois pourquoi je les sors et dans quelle catégorie je les mets. Ça sera plus intéressant, je pense, pour vous. Dans la partie angoisse, horreur, fantastique, science-fiction, tout ça, là, j'ai calé Soroland de River Solomon aux forges de Vulcain, que j'ai acheté dans une librairie à 7,
Ah, je ne me souviens plus. Ah, peut-être que j'ai mis le... Non, il n'y a pas de petit truc. Je ne me souviens plus. Mais en fait, c'était un coup de cœur du libraire et j'avais trop envie. C'est une histoire de secte. C'est une histoire qui se déroule aux États-Unis avec une jeune femme qui va aller accoucher dans la forêt et qui va s'enfuir d'une secte. J'en sais pas plus que ça, mais j'ai vraiment très très envie de le découvrir. Ça, c'est une remise en question de la société américaine et de ses dérives. Et ouais, ça me donne trop envie. Ensuite, côté encore conte, mythe, tout ça fantastique, j'ai mis La Fileuse d'argent de Naomi Novik, qui est aussi dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge, ici aux éditions J'ai lu. Et voilà, je ne sais pas trop, hein, je ne veux pas forcément retourner dans les résumés. Voilà, je sais juste que la plume de Naomi Novik est apparemment très bonne et qu'il a eu le prix Locus 2019 du meilleur roman de fantasy. Le prix Locus, je ne connais pas. Ça serait intéressant d'aller voir tous les livres qui ont eu des prix dans cette catégorie. Parce que les prix de fantasy, c'est toujours intéressant de savoir. Et alors ce qui est intéressant, c'est que Naomi Novik, là moi c'est ce que je lis, j'ai mon œil qui a été attiré, elle a travaillé dans le jeu vidéo avant de devenir écrivain à plein temps. Et qu'elle a connu le succès, pas avec La Fileuse d'argent, mais avec Téméraire, dont je n'entends pas parler, et Déraciné, qui est apparemment un très très bon livre, et qui est ici, et qui m'a été prêté par Fanny, et que je lirai ensuite. Mais d'abord, je veux lire celui-ci parce que c'est celui-ci que j'avais acheté et que je veux mettre dans ma pile à lire. Côté, alors ça, je vais vous les montrer peut-être à la fin. Mais bon, vous savez. Côté horreur, j'ai Mirage de Stephen King, ici publié sous son nom Richard Bachman, son pseudo, publié chez J'ai lu. Dans cette collection vraiment old school que j'adore. Voilà, donc je retrouve avec plaisir la plume des débuts de Stephen King avec des romans que je n'ai pas encore lus. Donc celui-ci, je me ferai un plaisir de le découvrir. Je ne vais pas forcément vous dire de quoi il est question non plus, mais si vous voulez, je mettrai les résumés en dessous, les liens vers les résumés, parce que si ça vous intéresse de faire des lectures communes avec moi, il n'y a aucun souci, c'est avec plaisir. Côté classique, je vais mettre ce livre qui m'a été offert par mes parents, donc à Noël, qui est Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald, illustré par Adam Simpson dans la très belle collection Hauteville, parce que j'ai trop envie de le lire. Je connais l'histoire, je connais l'histoire par le film, que j'ai plus ou moins aimé. Et j'ai envie de découvrir, puisque cette année, j'ai découvert sa petite nouvelle, L'étrange histoire de Benjamin Button, que j'ai bien aimé sa plume, et voilà, que j'ai envie de découvrir ce texte. Je vous dirai ce que j'en pense. Côté classique, il y en a un autre dans la partie Europe du Nord, que je vais vous montrer après. J'ai mis sinon deux livres de la bibliothèque. Le premier, c'est aussi dans l'objectif de découvrir d'autres livres de Maud Simoneau que L'heure des oiseaux, que j'ai adoré cette année. Donc là, c'est L'enfant céleste dans la même édition que L'heure des oiseaux, les éditions de l'Observatoire. Je ne sais pas de quoi il est question. Je ne sais pas. Et je ne vais pas forcément vous dire tout de suite. Mais en tout cas, je suis très contente d'aller voir ce qu'elle a pu écrire d'autre et ses couvertures. Mais cette édition, ces éditions sont splendides. Hein. Je découvre ça avec grand plaisir. Par contre, elles ne sont pas données. Je vois 17 euros. Souvent, les livres-là, ils ne sont pas très très gros. Mais franchement, c'est trop beau. Rentrée littéraire de 2020, il est écrit là. Ok, et sinon, bah du coup, encore un livre de la bibliothèque. Je vais vous montrer les deux sagas. Il y en a une qui est une nouvelle et une que je continue. La première, ça va être donc Broadway Limited de Malika Ferjouk, ici chez l'École des loisirs. C'est un roman jeunesse, une saga jeunesse qui peut me plaire. C'est l'histoire un peu... étrange d'un jeune homme qui a un prénom de fille, puisque, enfin, qui peut être... Comment il s'appelle ? Il a un prénom. Jocelyn, c'est ça ? Voilà. Qui est un homme, mais finalement, en fait, il va intégrer une colocation avec des jeunes filles,
puisque une pension de jeune fille, parce que son prénom est associé plutôt au féminin qu'au masculin, et donc il va y avoir des histoires certainement d'amour. Ce premier tome s'appelle Un dîner avec Cary Grant, et on est en 1948, on est à New York, et voilà, à l'ère du swing et de la comédie musicale. Je sais pas, j'ai envie d'essayer, je ne sais pas si ça va me plaire. On verra. Un peu feel good, hein, côté feel good. Sinon, j'aimerais lire la saga des Casalets. Alors là, je l'aurais pu mettre dans la bricasse. Je sais pas s'il fait plus de 500 pages. Parce que normalement, ils font 500 pages à peu près. Mais non, il fait moins de 500 pages, celui-ci. Donc, je l'ai pas. C'est pas celui-là, ma bricasse. Ma bricasse, c'est lequel, d'ailleurs? Je crois que c'est Naomi Novik. Ouais, je crois que c'est La Fileuse d'Argent. Voilà, la saga des Casalets, ça c'est le troisième tome d'Elizabeth Jane Howard dans la collection, dans l'édition de je sais plus quoi, c'est France Loisirs ça ? Quai Voltaire, La Table Ronde. Et là, on peut pas enlever, si on peut enlever le bandeau. Et moi, j'ai bien aimé, franchement, les deux premiers tomes, et je vais être contente de retrouver tous les personnages de cette famille anglaise. Ça va être trop bien. Là, la guerre est passée, donc on devrait être dans une période un peu confuse quand même. Hein. C'est pas ce qu'il en est. Je vous dirai ça. Et puis, je me suis mis un petit feel good, mais je suis pas sûre de le lire parce que j'ai du mal avec les feel good, mais voilà. La petite boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan chez Pocket. Apparemment, c'est sympa. Mais j'avoue que ça me fait un peu peur. On n'est pas loin de la brique aussi, hein. Mes parents, en fait, je l'ai offert à ma mère, alors que je l'avais dans ma pile à lire. Elle a bien aimé. Donc, je me dis que ça peut peut-être marcher avec moi. Voilà. À un moment où j'aurai besoin de cocooning et d'odeur de pâtisserie, de boulangerie. Ça ira bien. Allez, on part en Europe du Nord avec mes trois livres que je vous ai déjà présentés en Vlogmas, mais je vous les présente ici pour la pile à lire. Et il y a une BD aussi. Donc, on a Purge de Sophie Oksanen, donc qui est suédoise. C'est ça ? Oui, elle est suédoise. Hein. Enfin, chaque fois, j'ai du mal. Hein. Elle est finlandaise. C'est et traduite du finnois. Et là, on est chez Livre de Poche. Ça se passe en Estonie, fin de l'été en Estonie, 1992. Et c'est au moment où l'Union soviétique s'effondre. Et la population fête le départ des Russes. L'histoire de plusieurs femmes, une amitié. Je regarde les mots-clés, je découvre en même temps avec vous. Je ne veux pas trop en savoir. Alors, il y a un petit découpage, là, j'ai mis des marque-pages, parce qu'on va le lire en lecture commune sur mon Discord et mon Facebook. Vous retrouvez les liens en dessous, sur 3 semaines. Donc, ça fait une centaine de pages à peu près, parce que je crois que le livre fait à peu près 300 pages. Ouais, non, 400 plutôt. Une centaine, 120 pages à peu près par 130, oui, calcule bien. Voilà, 130 pages par semaine, ça peut très bien le faire. Et on commence le 1er janvier. Côté lecture commune, on va aussi lire un livre de l'Islandaise Odur Ava Olasdottir. Je me lance, voilà. On est aux éditions Zulma, il a reçu le prix Médicis étranger. Et voilà, Islande 1963. Et je vais juste vous lire le début. Éclat, 21 ans, quitte la ferme de ses parents et prend le car pour Reykjavik. Il est temps d'accomplir son destin, elle sera écrivain, sauf qu'à la capitale, on la verrait plutôt briguer le titre de Miss Islande. Oh, il y a le soleil. Donc voilà, celui-là aussi on le lit en lecture commune sur la 3e semaine de janvier, celle qui commence le 16, le lundi 16. Pas de découpage, on le lit comme ça. Et ouais, ça va être sympa. Il y a pas mal de lectures communes qui se mettent en place sur le Discord pour l'Europe du Nord, c'est trop cool. C'est trop cool, c'est trop cool. Et puis, moi, je vais mon troisième livre se déroulera celui-ci en Norvège. Et c'est un classique aussi. C'est Jenny de Sigrid Undset qui a reçu le prix Nobel de littérature. On est dans la collection, dans l'édition, pardon, Cambourakis. Voilà. Il a l'air long, mais il n'est pas tant que ça. Il fait moins de 500 pages. Et on parle aussi du destin d'une femme hors du commun qui va un peu contre les règles. Je ne vous en dis pas forcément plus, mais j'ai vraiment très très hâte. Il est paru en 1911 et il a fait scandale à ce moment-là. Franchement, j'ai trop envie. Donc ça, je ne sais pas trop quand est-ce que je le lirai. Et puis, une énorme BD qui est traduite du suédois.
Toujours, je veux partir en Suède, moi. Je crois que c'est ça. Bon, si je me trompe, je mettrai en dessous, mais je crois que c'est ça. On est chez Akileos. C'est une BD de Mina Sundberg et ça s'intitule Un rêve de renard. Je ne sais pas trop de quoi ça parle. Ça a l'air d'être plein d'aventures. C'est l'histoire d'un jeune renard céleste, gardien des aurores boréales, qui provoque accidentellement une fissure en notre monde, entre notre monde et l'au-delà. Un jeune homme et son chien métamorphe vont alors devoir se lancer dans une quête pour sauver les âmes de gens de leur village avant que celles-ci ne rejoignent Tionella, le pays du sommeil éternel. Franchement, elle a l'air trop bien. J'ai hâte. J'ai hâte, même si je ne sais pas trop dans quoi je me lance. Et le dernier, alors. Allez, on ouvre. C'est marrant parce que je ne sais même plus ce que j'ai mis dedans. Je ne sais pas ce que ça peut être. Ça va être trop bien d'ouvrir un cadeau tous les mois. Je sens que ça va me plaire. J'ai l'impression d'être au calendrier de l'Avent. D'ailleurs, avant de faire quoi que ce soit d'autre, je vais... dans mon prochain calendrier de l'Avent, vous vous souvenez, j'avais acheté des livres en novembre pour remplir mon calendrier de l'Avent. Enfin, octobre-novembre, pour remplir mon calendrier de l'Avent de décembre. Et là, ce que je voudrais faire, c'est pour vraiment garder la surprise... acheter un livre par mois pour ce calendrier de l'Avent. Donc, en choisir un, l'empaqueter et essayer de l'oublier. Je suis trop contente. Je suis trop contente parce que, voilà, ça va être trop bien. Et vraiment, je suis contente de le sortir. Voilà, Zazie dans le métro de Raymond Queneau, qui ne serait pas sorti sans cela. Qui n'est pas si long que ça. Et voilà, donc c'est un classique aussi, hein. Et ben voilà, la collection, je pense que c'est France Loisir. Et on va partir dans un truc un peu farfelu, je pense. Écoutez, voilà pour ma pile à lire du mois de janvier 2023. J'ai très hâte. Par lequel je vais commencer, ça serait pas mal de vous dire. En fait, parce que ce que je vais faire, c'est que le 31, on va chez des amis. Et le 1er janvier, les connaissants, ils vont se réveiller très tard. Je vais donc pouvoir commencer un de mes livres. J'ai pas forcément envie de commencer Purge tout de suite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir avec vous. Je vais faire un petit break et je vais choisir. Eh bien, écoutez, c'est Broadway Limited qui va m'accompagner le 1er janvier pour le découvrir à ce moment-là. Je vais mettre un marque-page qui a été fait par mon fils dedans. Et voilà, il part. Alors, je vais quand même prendre Purge avec moi parce que si ça ne me plaît pas, hein, parce que ça peut arriver hein, d'avoir des abandons, du coup, au moins, je pourrais avancer Purge. Donc, c'est les deux livres qui vont m'accompagner pour le 1er janvier. Là, on est le 28 ou 29, je ne sais plus. 28, on est mercredi. 28. Ouais, c'est ça. Donc, on est mercredi 28. Je suis en train de terminer la lecture de Christmas Pudding. Et j'aimerais aussi, d'ici la fin de l'année, enfin là, sur les trois derniers jours, terminer le recueil de nouvelles d'Edith Wharton, Careful. C'est mes deux objectifs, là. J'avais sorti un bouquin Mexican Gothic, mais je ne vais pas avoir le temps de le lire d'ici la fin du mois. Je le mettrai de côté, voilà, c'est pas grave. Et puis c'est tout. Voilà, ça sera donc ces deux livres-là qui m'accompagneront. Et parce que là, en plus, on garde un peu, on est vraiment dans l'hiver, donc ça sera sympa. C'est tout ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, sur le groupe Facebook. Pour commencer, vous pouvez nous rattraper hein, pendant le mois de janvier sur les livres d'Europe du Nord, parce que pour valider votre mois, on va dire, du tour du monde en lecture, vous n'avez qu'à lire un livre, hein, c'est pas énorme. Donc il y a plusieurs pays qui sont tagués dans la région. Vous avez à en choisir un ou trois et puis lire des livres qui sont écrits par des auteurs de ces pays et non pas des livres qui se passent dans ces pays du monde. Je vous mets le lien vers la présentation du challenge si ça vous intéresse d'aller voir. Sachez aussi que fin de la première semaine
Je vous annoncerai la prochaine région parce que ce qui est intéressant là-dedans, c'est de pouvoir avoir un peu de temps pour échanger sur nos futures lectures du mois suivant. Donc, je vous annoncerai la prochaine région du monde. Je ne sais pas encore si je la tire au hasard ou si je la choisis. Je ne sais pas. Donc, je vais réfléchir. Et voilà. Donc, je vous laisse là. J'ai mon chat qui veut rentrer. Donc, je vais le laisser rentrer. Je vous fais des bisous. Je vous dis plein plein de bonnes choses. J'espère que vous allez passer un bon réveillon de la nouvelle année. Et puis on se retrouve très vite sur la chaîne. De toute façon, là, je suis en train de tourner un carnet de lecture. Je vais certainement tourner peut-être demain mon bilan de l'année. Je regarde, il essaie d'ouvrir la porte. Je pense qu'il peut y arriver. Pim! Donc vous me retrouverez très très vite. Pim, c'est son prénom. Vous me retrouverez très vite sur la chaîne. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Bye bye.